Notre première convention, et pas n'importe laquelle, Japan Expo Sud. Herbome dans la place ? Attends, je capte. Oh bon. Là là. Pas dans quelle place ? À la place du Mistral. Herbome dans la place. Kawabanga ! Faut qu'on lâche à un moment donné. Ah ouais, mais non, mais faut faire mal. Ouais. Faut qu'on voit qui est-ce qui a les tâches qui ont fait ça. Le guidage par satellite, une invention magique. Oh, on arrive enfin à Marseille. Mais là, on est un petit peu perdu alors. Heureusement que Seb nous a filé son GPS. Grâce à ça, on va pouvoir se repérer très facilement. Allez, regardons un peu le GPS, les indications qu'il nous donne. Impossible de calculer l'itinéraire. Merci Seb. Bon, finalement, j'ai trafiqué le BIOS, j'ai custom les firmware et puis bah, c'est reparti, ça marche. Heureusement que j'étais là quand même. Intermission. On va regarder les plaques d'immatriculation. Ça, c'est peut-être pas légal par contre. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait une clé USB géante. Japan Expo Sud, c'est aussi du glamour. On vient d'arriver et Greg a déjà un ticket avec cette meuf là. Elle l'a maté, mais vous auriez vu franchement. Alors là. Alors aujourd'hui à Japan Expo Sud, je crois que j'ai trouvé la meuf la plus sexe du monde. Attention, elle est là. Installation dans la bonne humeur. Voilà où on se situe. Hop, les préparatifs. On a placé notre fond vert. Un peu sombre, mais bon, on a essayé de choisir l'endroit où il y avait plus de luminosité. On a placé notre écran blanc. C'est là où c'était le plus sombre. L'image est un bon rendu. Le vidéo proche. Le son, c'est les classeurs de Eric, les petites cartes de visite, et, dommage, presque, ça sera pour la prochaine fois. Une première diff, anthologique. Où marches-tu d'un pas si décidé ? Je vais à notre diffusion, simplement, en toute simplicité. Parce que Japan Expo Sud nous a supplié pour pouvoir passer nos vidéos en fait. Donc ils m'ont harcelé de mails, de coups de téléphone, etc. Et donc bah, j'ai fini par accepter et donc bah, je leur ai donné la chance de pouvoir passer 3 épisodes de Raconte-moi un manga. Et donc là nous y allons de ce pas. Juste devant la salle qui va diffuser pour la première fois Hermo. Et ça fait plaisir parce qu'on a vu un Kolkata juste devant. Ah, les gens sont... Reste pas pour regarder Raconte-moi un manga. Il y en a un qui attend pour rentrer pour regarder Raconte-moi un manga. Et il y en a certainement qui vont rester. Mais il veut. De toute façon, c'est des bouffons, ils regardent même pas le générique de fin. Ouais, tu regardes le générique de fin. On rentre. Respect. Apparemment, il y en a plein qui se barrent. Mais bon, il reste quand même une dizaine de personnes, on va se mettre dans le fond. Mais demain il y en aura 2000, c'est sûr. Là. 5 personnes, 5. Totoro's Hunting. Oh.
t'es content. Bah oui, il y a Emaya Katsuki quand même. Kon Satoshi et Ishinomori Shotaro, magnifique. Tiens, regarde, on dirait Ludwig, il a le même truc Adidas, il a les cheveux longs. Un gros. Le sosie Ludwig. Un gros Lud. Big Lud. Big Lud, tu vois. Ah, je ne te vois plus. Ah, il est là. Tu vas voir la tronche. Ah non, il a des lunettes. Ah, ce n'est donc pas lui. Cosplay numéro 1, cosplay numéro 2. Mine de rien, il y avait du monde à notre stand. L'instant pub. Badoomba. Tu connais Raconte-moi un manga ? Quoi ? Non. Tu connais non. pas ? Non. Eh, regarde. Non, non, je suis un blaireau pour la peine. Ah merde, je suis un blaireau parce que je connais pas Raconte-moi un manga. Prends donc une carte de visite. Ah ouais, tiens, bah oui, ça m'intéresse vachement. Bon, allez, ça a l'air intéressant. Ça a l'air sympa. Raconte-moi un manga. Cuisons un peu. Après, il y a trois possibilités et il ne faut pas tenir en poète. Il y en a un, c'est pour un petit gars. Sayonara, Maru Seyu. Oh, non, c'était courant.
Le ciel, c'est que l'enfant descend des murs de fond. Nagala, kurayami, hashiri nukeru. Chibunan suru ni mi wo makasete.